Hey, salut. Moi, c'est Wade Palmer. On t'a parlé de moi. Bienvenue dans mon show. Cherche quelqu'un qui a pas peur de sortir des sentiers battus. Je veux bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. Mais tu vas pas perdre, pas vrai, hein? Non, bien sûr que non. Pas mal. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Allez, viens, je vais te montrer Base Camp. Et ta nouvelle voiture. Regardez qui est là. T'as fait tes preuves. Maintenant, t'es chez toi ici. Alors, bienvenue dans ce petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'il s'entraîne pas, ça nous arrange. Toi, comme moi. Au fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, t'oublies pour l'instant. Faudra que tu les gagnes. Thank you.
Eh, dis donc, ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant? Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquelles. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. Pour cette course, toi et tes concurrents, vous allez devoir conduire un pick-up Mercedes Classe X. Vu que vous aurez tous le même, c'est le pilote qui fera la différence. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Il est pas mal, ton temps. Mais je peux faire mieux que pas mal, moi. Thank you.
ce genre de course, c'est pas juste une course. C'est deux checkpoints et toi, tu dois trouver le chemin le plus court entre les deux. Fais gaffe à pas te perdre. Y a que les meilleurs pilotes qui viennent ici et ça, c'est bon signe pour toi. Enfin, t'enflamme pas non plus. C'est pas pour ça que c'est gagné d'avance. Tu vas faire un super temps, j'en suis sûr. Reminder, no beer is permitted near the vehicle. Quand t'es pilote, il y a toujours un moment où tu réalises pourquoi tu cours. Pour moi, ça a été le jour où ma mob est partie d'un côté et moi de l'autre. Je me suis cassé deux côtes. Bon, après, j'ai ramassé la mob, je suis remonté et j'ai continué. Et je l'ai gagné, la course. Il n'y avait pas moyen que je la perde. Les détails, c'est juste des trucs que tu racontes après. Is strictly prohibited. Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion,
Tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué. Et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant, c'est ton tour. Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris ? On passe au airdrift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas, et ça devrait le faire. Essaie un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûre qu'on trouvera des trucs à faire. Moi, c'est Emmett. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Bref, tu m'as compris. Alors, je dois t'expliquer ce qu'on fait ici. C'est pas facile à décrire. Tu vois ces mecs, là? Ils bossent dur, ils aiment s'éclater. Et ils arrivent à vivre de leur passion. Si on n'est pas capable d'en faire autant... c'est qu'on n'a rien à faire ici. Mais bon, Sophia a l'air de te faire confiance. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Au fait, elle et moi, on a quelque chose pour toi au magasin. C'est là-bas. Tu pourras prendre de nouveaux modèles une fois que t'auras chopé les bases. Mais... je vais t'en offrir un, juste pour te faire plaisir. Et n'oublie pas de sourire quand Sophia t'aura bien humilié là-haut. En attendant, tu devrais te trouver quelque chose à faire. Ici, il n'y a pas de règles, à part « fais ton mieux et éclate-toi ». T'as intérêt à les respecter.
Tu sais quoi? Il y a un moyen facile de gagner des followers. T'as juste à faire des trucs cool comme voler en dessous des ponts, drifter ou faire des sauts énormes. Plus t'enchaînes de figures, plus ça te rapporte de followers. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est à quel point Sophia est une pilote exceptionnelle. Elle a établi plein de records, y compris celui-là. C'est peut-être pas le plus impressionnant, mais ça reste le score à battre. Maintenant, épate-moi. Entre deux listes, tu pourras faire un peu de freestyle et montrer ce dont t'es vraiment capable. C'est super important de bien maîtriser les deux. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Bienvenue à Monument Valley, l'un des plus beaux spots du pays et, accessoirement, un endroit où on peut repousser ses limites et découvrir où elle se trouve. Three, two, one.
Tu la joues trop safe. Prends un peu plus de risques. Allez, quoi, rapproche-toi du sol. Te force pas si t'as pas envie. Elle fait rien que te provoquer pour voir ce que t'as dans le ventre. Voilà, comme ça. Faut que tu prennes des risques. Moi, je peux voler à l'envers à basse altitude pendant plusieurs minutes de suite. Peut-être qu'un jour t'en seras capable, toi aussi. Qui sait? Bravo, t'as gardé ta concentration. Même avec le blabla de la machine à parler, là. Rester concentré quand quelque chose essaie de te distraire, c'est le meilleur moyen d'apprendre à gérer la concentration. Le meilleur moyen d'expliquer à tout le monde ce qu'on fait, c'est ça. Nos pilotes sont des pros, mais il y a des moments où ils se comportent comme des sales gamins. Du genre à organiser un pique-nique dans une église, par exemple. Maintenant que Grincheux a donné sa version, écoute la mienne. Si on fait des trucs que t'as jamais vus avant, c'est parce qu'on s'éclate à faire tout ça. Donne-nous un avion et tu vas voir, on va te montrer l'incroyable. Chaque fois que t'établis un record, il est envoyé à la live app pour que tu puisses le partager avec tes amis. Ça leur donnera peut-être envie de le battre. Enfin, s'ils ont le niveau. Yes ! T'as gagné de nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors donne-toi à fond ! Écoutez-moi bien. J'ai besoin d'un pilote. Si vous savez vous débrouiller sur l'eau, dans les airs et sur la route, évidemment, mais ça, c'est pour plus tard, vous êtes peut-être la personne que mon équipe cherche. Faites mieux que le temps d'essai, et le job est à vous.
Sinon, je suis sûre que quelqu'un d'autre pourra réussir à votre place. Alexis Kendrick Racing n'engage jamais que des winners. Et Alexis, c'est moi. Alors, faut me croire. Bravo, t'as gagné la place. Allez, on va quelque part pour parler de la suite. Eh ben, c'était pas mal. Je suis impatiente que tu rejoignes notre équipe. Il y a encore peut-être des trucs à affiner, mais c'est pas grave. Je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Va falloir bosser dur, mais tu verras vite les résultats sur la piste. Bon. Ça, c'est le pit. C'est là que les vrais pros du racing viennent s'entraîner. Tu peux venir quand tu veux. C'est ta place, ici. Lui, c'est Clarence Bishop, troisième du nom. Ici, c'est lui le champion en titre. Un vrai aristo de la course. En fait, son père et son grand-père étaient champions aussi. Ce qui explique un peu son attitude. Si tu gagnes des courses, il va pas apprécier du tout. Il est du genre old school. Il dit toujours qu'il faut rien changer. Il y a des tas de pilotes qui pensent différemment. Moi, je crois qu'il faut trouver un genre d'équilibre. Toi, tu es libre de penser ce que tu veux. Au cas où tu te demanderais, il y a un powerboat qui t'attend dans le magasin. Pas la peine de me remercier, tu l'as mérité. Puis tu vas en avoir besoin. Ceux-là, tu pourras toujours les acheter plus tard. Pas celui-là, petit scarabée, pas encore. Il va falloir que tu gagnes quelques courses avant.
Au cas où t'aurais pas remarqué, tu peux éditer des vidéos avec la Live App. Ouvre la carte, cherche un peu et tu trouveras les outils nécessaires. Je parie qu'on gagnerait plein de followers en les publiant. Je sais que c'est pas mon genre de dire ça, mais on est sûr de vouloir faire cette course? Et c'est pas mon genre de dire que tu stresses trop, comme quoi tout arrive. T'inquiète, avec cette course et celle de Vegas, on va montrer de nouveaux spots au public. Et tu penses que ça peut nous ramener de nouveaux admirateurs? C'est l'idée, ouais. Avec un site comme ça, on prend un gros risque, mais un risque nécessaire. Et un truc qui change pas par contre, c'est toujours le meilleur pilote qui gagne. Je sais que c'est pas mon genre de dire ça, mais on est sûr de vouloir faire cette course? Et c'est pas mon genre de dire que tu stresses trop, comme quoi tout arrive. T'inquiète, avec cette course et celle de Vegas, on va montrer de nouveaux spots au public. Et tu penses que ça peut nous ramener de nouveaux admirateurs? C'est l'idée, ouais. Avec un site comme ça, on prend un gros risque, mais un risque nécessaire. Et un truc qui change pas par contre, c'est toujours le meilleur pilote qui gagne. Donne-toi à fond. Go! Thank you.
Super! T'as le champ libre maintenant, lâche rien! S'il y a un truc que je sais, c'est qu'on n'a rien sans rien. Si tu veux rester dans le coup, faut évoluer. Et si ça veut dire essayer de nouveaux endroits, que ce soit le centre-ville ou à 100 bornes du milieu de nulle part, ben c'est peut-être ça qu'on doit faire. Mais je sais que c'est un pari risqué. Ça sert à rien de gagner de nouveaux fans si on perd les anciens. Faut trouver un juste milieu. C'est ça notre philosophie. Une course sur l'océan, c'est pas comme une course sur un fleuve ou un lac. Tu dois gérer les vagues. Mais si tu sais comment les prendre, elles peuvent être utiles et te permettre de gagner.
Quand t'es là-bas, oublie pas qui tu représentes. Tout va bien? J'ai dû me planter dans les réglages. Tu vas devoir réaliser une liste de figures, et une fois que tu l'auras terminée, t'en recevras une autre. T'as fini la liste. Maintenant, épate-moi. Entre deux listes, tu pourras faire un peu de freestyle et montrer ce dont t'es vraiment capable. C'est super important de bien maîtriser les deux.
Tu vas pouvoir nous montrer ton style. Ton freestyle.